Très bien servi, bon jeu de retour également. Très bon jeu de retour. Ça va passer, ça va le faire. Oui. Je me suis allongé dans le lit, j'ai senti quelque chose qui remontait. Au service, hein. On souffle. À l'époque, c'était Sachin que t'avais battu. Ouais, en 5-7 en centrale. 8-6, comment ça? 18, je crois. 18. Testé! Boulogne! Testé! Boulogne! Bon. Ça va? 8 heures de trajet que j'ai fait, j'ai dormi 4 heures et les 4 autres heures, je les ai consacrées à regarder sur YouTube les highlights de mon joueur de tennis préféré, c'est-à-dire moi-même. Regardez le lit de Terence Hatman pendant 8 heures et demie. Oui. Se regarder se faire des coups droits à la journée, il était là. Oh oui! Ça va, Sacha? Allez, ça va. Ça va, c'est là, 20 000 likes. Pas mal. En France, bah c'est beau, mais je pense qu'on peut mieux faire. Aujourd'hui, je vais essayer d'en faire une, de dépasser le million. Les indispensables. La trousse avec le petit porte-clés. Voilà, c'est un petit lapin. On m'a offert ça à Shanghai. Un fan qui m'a offert ça à Shanghai. Après un match que j'avais gagné. Ça, très important. L'iPad. Passer un peu le temps parce que les gens ne savent pas vraiment, mais la vie de joueur de tennis, c'est très long et très chiant des fois. Le casque. Important aussi qui va avec. Est-ce que t'as toujours ta peluche? Non, je l'ai laissée à la maison. La mascotte! Non, la mascotte, c'est à la maison. J'en ai une deuxième. Ah. J'ai le petit quand même. T'es où, Sacha? Moi, je suis à Marseille, moi. Ouais. Comment il va, le Lio? Ça va, hein. Présent, hein. Toujours présent. Tu nous ferais une imitation de Lio rapide? Je vais filmer ça. Bah oui. Je peux pas. Ah si. Je peux pas, je vais me faire tuer. Bonzi, il me l'a fait à chaque fois. Bonzi, il l'a fait. Mais ouais. Il l'a fait avec moi. Moi, ça fait que 2 ans que j'ai commencé avec vous. Eh, hey, poulet, qui a déconné sur le coup droit, là. Qui a juste à la pousser, là. Oh, je le fais très mal, mais... Alors, c'est abonné de mon académie de tennis de Belgique. Ah, si tu regardes bien, voilà, t'as jaglé avec le... Voilà. Bon Franck, on est à Lagorre cette semaine, 3e rencontre. On a bien préparé cette rencontre, hein. Tous les mecs ont eu une semaine très sérieuse d'entraînement. Même si je sais que ça va être un match compliqué, difficile, comme tous les matchs de toute façon. Donc. Là où t'es incollable, c'est sur les résultats des autres équipes. Tu sais à peu près tout sur tout de la poule. Est-ce que tu peux nous faire un bilan? C'est une poule extrêmement serrée, où toutes les équipes se tiennent en très peu de points. Donc, en fonction des résultats de demain, tout peut changer. Un match nul, même pour nous, serait vraiment très bien. Là, on est deuxième à 1 point. Et Chirol a fait quoi la semaine dernière? Et Chirol a perdu alors qu'ils étaient à 2-2 à l'issue des simples. Je sais que cette semaine aussi, ça va être un peu dur pour Sanois parce que je vois leurs joueurs type Jules Marie qui sont sur le circuit, qui continuent, qui marchent bien et tant mieux pour eux. Tout est possible vraiment dans cette poule. Comment t'es allé les chercher tous? C'est le Clegg, hein. Le Clegg, il a un très très beau réseau. Moi, je voulais quelqu'un qui connaisse très très bien le tennis et c'est vrai que le Clegg, quand je l'ai choisi, c'était pas innocent. D'ailleurs, je tiens à préciser une petite chose parce que c'est vrai que j'ai vu dans la première vidéo qu'on a parlé de 14 ans de montée consécutive. En fait, c'est 12 ans. Ouais. J'ai dit 14 parce qu'il y a eu pause. Voilà, les 2 ans de Covid. Demain, il va falloir se sortir les tripes. Les mecs doivent aller au combat. Bonne rencontre. Merci, Max. Merci. C'est parti. Et pendant 15 jours, là, c'était quoi ton quotidien? J'ai recommencé les entraînements pour être présent ici. Donc physique, tennis, un peu de test. Voilà. 3 heures de tennis et 3 heures de physique à peu près. Tu termines, t'es fracasse les journées, ouais, ou t'es comment? Les journées d'entraînement, elles sont très très longues. Hein. Et des fois, il y a Terence Hatman qui m'appelle quand même pour essayer de geeker à Call of. Là, t'as un joueur Call of Duty professionnel avec toi là. Ça se couche à quelle heure quand vous jouez en réseau comme ça? 23 heures maximum. Ah ouais, ça reste sérieux quand même. Non. Et 23h quand je suis en week-end. Jaco, faut que tu nous racontes, t'étais à l'INSEP toi, dans ce qui se faisait de mieux chez les jeunes. Et je crois que t'as une anecdote sympa à base de whisky à nous raconter. Oui, donc c'était ma première cuite. Nous avons été livrés par monsieur Julien Jean-Pierre. Donc moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool, on attaque directement au whisky. Il y a une bouteille et demie, je crois, qui est partie en whisky pour 3. Une fois que la soirée s'est terminée, je me suis allongé dans le lit. J'ai senti quelque chose qui remontait. J'ai ouvert la fenêtre. Tout mon repas est passé à l'extérieur. Le lendemain matin, on a retrouvé une moitié de plat d'haricots au bord de la fenêtre d'une des joueuses de volley. Elle n'était pas très contente. Parce que les joueuses de volley étaient à l'étage du dessous. J'ai dû évidemment prendre un seau, aller chez elle et tout nettoyer. Fin de l'histoire. C'est dégueulasse. Santé, les gars. Santé. Santé.
les gars, on est là à la Gore. Troisième match, match super important. L'entraînement a été très efficace aujourd'hui. On a senti des bonnes émotions dans le double qu'on a vu aujourd'hui. Les mélanges qu'on a pu faire aujourd'hui, on a trouvé des belles choses. Et je pense qu'on sera très fort demain, aussi en double qu'en simple. Qu'on garde cette énergie pour, évidemment, les simples, parce qu'on commence par là et après les doubles. Je veux voir du fighting spirit, je veux voir de la bagarre, je veux voir qu'on lâche rien. Et après, on fera les comptes à la fin de journée. Donc moi, je sais que j'ai confiance en vous et que tout va bien se passer. C'est son anniversaire, il a 10 ans. Tom, écoutez. J'ai pensé au cadeau qu'il m'avait dit pour mon anniversaire et un cadeau qui me ferait très 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 plaisir. C'est que quand tu vas revenir samedi soir, que tu reviennes avec la victoire. Allez le TCB! Reste calme, ça va le faire. Deuxième set. Allez, derrière le premier. On y va, mec. 0-0. Là, on la voit. En tout temps, entre deux services. Très bien servi. Bon jeu de retour également. Très bon jeu de retour. Ça va passer, ça va le faire. Mais point par point. Plutôt satisfait, surpris, parce que je n'ai pas trop joué ces derniers temps. À l'époque, c'était Safin que tu avais battu. Ouais. En 5-7 en centrale. 8-6, je crois. 18, je crois. 18. Ouais. Je sens que tu vas être chiant en double. Si je sers bien, c'est vrai qu'après, je ne suis pas un spécialiste de double. Dans l'idée, voilà, comment ça, je pense concentrer sur mon service. Allez, bonne rencontre. Allez, merci. Bah, moi aussi. Max, il assure là. Pareil, on est bien. C'était vrai. Fais un peu attention sur ce dernier jeu quand même. Un peu plus concentré quand même parce que là, c'était énorme. Allez, on veut bien 3 cm, mais c'est énorme.
Pourquoi tu annonces? Tu n'as pas annoncé ça en fait. Si tu sais pas, reste dans le je sais pas. Et je regarde. Enfin, je peux pas prendre à l'air de lui. Tu vois ce que je veux dire? Bah, elle sort, je sais pas, elle sort de ça. Et je pense que t'as au moins un petit doute ou un petit truc. C'est pas juste une question de savoir. Je pense que si t'es pas sûr de la marque. Si la mèche, je la vois pas rebondir, je peux pas prendre de décision. Encore, hein. On creuse, on va le chercher même temps. Même ce jeu, on va le chercher tout de suite. Aucun répit. Allez, on continue dans ses objectifs. Hein. Go, on lâche pas le. On l'a à la gorge, là, on le lâche pas. Hein. Tu le lâches pas. Hein. Tu le tiens à la gorge, tu le lâches plus. Là. Tu vois qu'il a baissé les bras. Qu'il joue un petit peu court, tu vas passer ton coup droit, il va plus y aller le mec. Faire de la merde pour l'équipe. C'est une responsabilité, c'est pas ça. Moi, tout ce que je veux de toi, c'est que tu t'arraches et que t'envoies du rouleau. Non, c'est mais tout. Ça, je vais le faire. Mais juste, attends pas à gagner avec moi, parce qu'il y a peu de chances que je gagne. Pour moi, faut être agressif, pas jouer les trucs et puis tout mettre sur un. Et aussi, ils sont forts, les trucs, ils sont aussi chez eux. Il y a aussi des gens qui sont là, tout mettre sur un. Pour moi, faut être agressif et on peut largement gagner ces doubles. Quand t'es en défense et que tu joues mieux, c'est pas super efficace. Par contre, dès que t'as un coup droit. Et tu vas faire ta gigrette comme ça au milieu et personne va apprendre. Même si des fois tu vois ils vont servir sur ton revers, tu les vois partir. Putain, fais ton coup, tu vois, on s'en fout du mec. Être là, mec, envoyer du jus, envoyer de l'agressivité, envoyer tes. Essaye. C'est ça qu'il faut envoyer, mon gars. Commande, les gars. Allez, on fait les deux. On leur montre qui on est. 2-2 à l'issue des 5, qu'est-ce qu'il faut aller chercher? Bah, il faut aller chercher au moins un double, voire les deux. Donc on est concentré. Il faut chercher des points break, ça va jouer un peu de temps. Je fais pas quoi, je pense qu'on prend la première place ce soir. Un match. Allez. Stay simple. Let's stay simple on the return. I don't try to open too much. Great that you play on Parker at the net. And guys, Parker is a great volleyer. Allez les gars. Yeah!
Go for it, you can also take it there. I was in the middle there with your forehand. Allez, un par un. Vamos. Allez les gars. Allez les gars. Tu tapes au milieu, tu mets un winner. Ouais. L'angle parfait pour attaquer dans son verre. Ça manque de caresse, ça manque d'un petit peu de lift, tu vois, tout en frappant fort, hein, mais tu manques de sécurité. Allez, comment on tient, on lâche pas l'affaire, hein. On lâche pas le bazar. Hein. On va jouer ce double, va jouer très peu. Allez, gars, à nous de servir hein, pour 6-4. Hein. On va s'embarquer dans un super tie-break. Allez, hein, au service, hein. Comment ? On souffle. Allez les gars, on va la chercher. On va la chercher, balle de match. Balle de match. C'est pas perdu, t'as dit, t'as compris ça? T'as dit que c'est pas perdu. D'accord, la semaine prochaine c'est pour nous. Alors prends bien ça dans cette caméra. Présidente, bravo. Ouais, je suis vraiment heureux. C'est vrai que faire un match nul comme ça, on était mené 8-7 au super tie break, revenir de nulle part et puis égaliser. Je pense que c'est une super performance de l'équipe, surtout qu'elle nous maintient en vie, elle nous maintient premier de la poule, je pense, on regardera les classements, mais comme Paris a gagné contre Annecy, je pense que nous sommes premiers ce soir, on va recevoir deux fois chez nous. Bah, c'était ce qu'on s'est dit, c'était on en rêvait, donc c'est parfait, c'est le scénario parfait pour nous, et beaucoup de chance bien évidemment, parce qu'il faut savoir qu'à deux coups près, on aurait pu perdre, mais c'est le tennis, c'est aussi la beauté de ce sport. Mais Franck, tu remercies chez toi. Le club est très beau. Vamos. On est heureux. Merci Max. Tu nous portes chance. Vraiment. Reste avec nous. Allez, on se bat et repousse-toi d'ici. Allez, ciao à tous. Tomorrow. TC Boulogne. TC Boulogne. TC Boulogne. Vamos. Ça, ça, j'ai dit ça. Et je crois d'ailleurs que tu as rencontré l'amour là-bas. Non, on va pas parler de ça. C'est assez censuré. Ça me colle au visage, là, putain. Je vais vous montrer du coup. Donc, ça fait partie des morning routines. Est-ce mais... que vous avez eu la routine du visage ou pas? Non, ouais, on l'a pas pris hier soir. Pas eu les concours, American Crew. Forming Cream. Alors, ça, c'est pour tous les joueurs qui jouent avec des bandeaux et qui aiment bien avoir les cheveux bien placés mais avec un effet naturel. Faire un jus d'orange. Oh putain, elle a six sauteuses quoi. Ah.
les mecs, c'est bon, vous pouvez décontracter les gars. Regarde ça, les En match, les émotions peuvent très vite vriller, et peu importe le niveau, qu'on soit en Pro B ou à 15-2. On a donc synthétisé 14 clés du prépa mental Jean-Philippe Vaillant, qui a coaché 12 top 100, pour transformer tes pétages de plomb en mental d'acier. Le lien est dans la description, c'est gratuit, c'est cadeau, fonce et tu verras, ta raquette te dira merci.